dernier jour de mai 1966. Le peuple dominicain est appelé à élire au suffrage universel son président de la République. 8000 soldats nord-américains et brésiliens, constitués en une force interaméricaine de paix, occupent la capitale Armeau-Point tandis que l'armée nationale sillonne la campagne, afin que tout se passe selon les règles de la démocratie. Plusieurs candidats sont en présence. Parmi eux, Joaquim Balaguer et Juan Bosch. Les autres ne comptent pas. Sont bien connus. Balaguer, conseiller et porte-parole du dictateur Trujillo, avait été choisi par la CIA pour succéder au bénéfacteur assassiné en 1961, pour que rien ne change. Mais en 1962, le peuple dominicain voulait que les choses changent après 30 ans de dictature sanglante et avait porté Juan Bosch à la présidence de la République en votant en masse pour le PRD. Pour la première fois d'une histoire qui l'avait ballotté de la domination espagnole au joug américain, après un bref épisode haïtien, la République connaissait une ère de liberté et d'indépendance. Elle devait durer renverser Juan Bosch et octroyer le pouvoir à un triumvirat qui, héritier spirituel du défunt bénéfacteur, s'empressait d'en remettre les méthodes en vigueur.